Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Milliner Crochet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. C'est une idée d'une charmante abonnée. J'ai fait déjà une petite vidéo, je vous ai proposé de vous aider. Je parle des personnes qui sont un petit peu malades, qui sont hospitalisées. Et maintenant, j'ai pris toutes les idées, je suis en train de travailler sur doucement. Il y en a beaucoup qui ont proposé des petits tutos comme ça, c'est juste pour passer le temps, oublier qu'on est malade et tout. On a commencé par cette jolie déco, un joli cadeau aussi qu'on peut offrir, une petite corbeille au coton. Malgré qu'on peut la faire aussi avec quelque chose de rigide comme le coton macramé, comme le fil de jute et tout. Une petite corbeille comme ça, très facile à réaliser. Et des dessous de verre à l'intérieur. Et les dessous de verre à la fin, ça forme des roses et ça donne un très joli rendu. On va la faire doucement et vous allez voir que c'est vraiment facile. Vous allez aussi, si vous avez des restes de fil, on va les terminer et on peut faire 4 dans une corbeille. On peut faire 2 corbeilles avec 6, 2, 4 et 4, 8 dessous de verre. On peut les emballer et les offrir aussi. Vraiment très charmant et très joli. On va prendre du coton, de l'acrylique, comme vous voulez. Alors le mien se crochète entre 2,5 et 3. On va prendre 3 couleurs, une pour la base, du vert ou bien une couleur pour les feuilles. Pour les feuilles et une dernière couleur, c'est votre choix pour les roses. Un crochet numéro 3 qu'on va garder pour tout le tuto, sauf la corbeille. Si vous désirez la faire avec du jute, vous allez prendre. Aussi, je pense que celui-là se crochète avec un 3. Si on veut un peu rigide, on peut aller vers le 2,5, une aiguille à tricot pour faire entrer tous les fils, une paire de ciseaux. À la fin de la corbeille, on va avoir besoin d'un marqueur. Je vais vous dire combien mesure mon dessous de verre avec un crochet 3. Alors, je prends de la rose à la rose. Alors, dans les 12 cm idéal pour. C'est mon café idéal pour une tasse de café. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va commencer doucement et vous allez voir que c'est magnifique. On commence notre dessous de verre. On garde toujours le crochet numéro 3 et on commence avec un cercle magique. Je ramène le fil. Et je fais une et deux. On va pas les compter. Dans le cercle, je vais faire 14 brides. Une, deux. Je pense que je vais rapprocher un petit peu. Et trois. 4 jusqu'à avoir 14 brides. 14 brides. On ferme notre cercle complètement et on va fermer sur la première bride. Alors les deux mailles en l'air, on ne les touche pas. On va chercher la maille de la première bride et on ferme notre rang. Mon deuxième rang. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3.
un jeté dans la même maille où on a fermé la première bride, on rajoute une bride. Et avec les trois mailles en l'air, on a deux brides. À côté, sur la suivante, deux brides aussi. On va faire des augmentations sur chaque maille. Deux brides dans chaque maille. Sur la suivante aussi, deux brides. Et on va continuer jusqu'à la fin à faire deux brides dans chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 28 brides. J'ai terminé mes 28 brides ou bien 14 augmentations. On va directement sur les trois mailles en l'air, la troisième. On va fermer. Attention, il ne faut pas travailler sur celle-là. Celle-là, c'est la maille coulée du rang précédent. Il faut juste compter vos mailles. On vient là, 1, 2, dans la troisième. Je pique comme ça. Et je ferme avec une maille coulée. Mon troisième rang. 1, 2, 3. On va la compter comme une première bride. Un jeté. À côté. Juste, on est là, juste à côté. On va faire une bride. Une maille de séparation. À côté. On va pas sauter de maille, hein? À côté, une bride. Sur la suivante, une deuxième bride, une maille de séparation maintenant, et on reprend deux brides individuelles. La première, à côté, la deuxième, on saute pas de maille, hein, on sépare seulement. Deux brides individuelles, une maille en l'air. On reprend. À côté, une bride. À côté, une deuxième. Et une maille de séparation. On reprend sur la suivante, une bride. À côté, une deuxième. Et une maille de séparation. On a fait deux brides individuelles, une maille de séparation. Deux brides individuelles, une maille de séparation sans sauter de maille. Je suis à la fin de mon troisième rang. Alors, on va considérer ça comme un groupe de deux brides. D'accord? On a fait 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, séparés d'une maille en l'air. On a, parce que je compte, il y a deux dans chaque groupe, ça veut dire on reste sur les 28, pardon, et on les sépare avec une maille. Maintenant, on va aller 1, 2 dans la troisième. On n'oublie pas après le dernier groupe de faire une maille en l'air. Dans la troisième, on va et on ferme notre rang avec une maille coulée. Et voilà, on vient de terminer notre troisième rang et c'est le dernier avec cette couleur. On va se déplacer encore une fois pour sécuriser notre travail. Oh, une autre fois aussi, c'est juste pour après pouvoir couper le fil à l'aise. Et on coupe notre fil. Tout à l'heure, on va le faire rentrer. On va changer de couleur. On va aller vers le vert. On prend une nouvelle couleur. Ce sera le vert. On va les considérer comme la couleur des feuilles. Vous pouvez utiliser aussi du beige, du marron, une couleur qui correspond aux feuilles. Alors,
On va travailler dans l'espace de chaque maille en l'air. Là, je vais attacher mon fil ici parce que je veux, en avançant, je vais cacher aussi celui-là. Je vais le glisser comme ça dans l'espace de la maille en l'air. Faire un nœud. Pour le bloquer, je serai à l'aise tout à l'heure. Le ramener par là aussi, je vais le cacher. Je ramène, je fais glisser mon crochet dans l'espace, je ramène le fil et je fais trois mailles en l'air. Dans le même espace, je rajoute une bride. Deux mailles de séparation, une et deux. Un jeté dans le même espace, je reviens et je fais aussi deux brides. Une et la deuxième. On va sauter ces deux brides dans le prochain espace. Je fais deux brides, une, deux mailles de séparation. On revient dans le même espace et on rajoute deux brides, une et deux. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du quatrième rang. Alors, on a terminé. On saute au prochain espace ici, l'espace de la maille en l'air. On fait deux brides, une, deux mailles de séparation. On revient dans le même espace et on rajoute deux brides. Jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de terminer mon quatrième rang. Alors, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Sur la troisième, 1, 2, 3, on ferme avec une maille coulée. À côté, une deuxième. C'est juste pour sécuriser notre travail et on coupe le fil. Tout à l'heure, on va les faire rentrer. On prend une nouvelle couleur pour les roses. Pour commencer notre dernier rang, on va travailler ici, dans l'espace des deux mailles en l'air. On va venir là, n'importe quel espace, on attache notre fil. Et on commence. Alors, on glisse notre crochet, on ramène le fil et on fait deux mailles en l'air. On ne va pas les compter. Dans le même espace, on va faire six brides. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. Je vais rapprocher un petit peu. On va enlever notre crochet, ouvrir un petit peu la boucle. Venir ici entre les deux mailles en l'air et notre première bride. Ramener le fil et le glisser et sortir par ici. Trois mailles en l'air. Un, deux et trois.
Dans cet espace, là où on a fermé, dans cet espace, je ramène le fil et je fais une maille coulée. On répète 1, 2 et 3. Je reviens dans le même espace, je pique, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. On répète une troisième fois, 1, 2 et 3. Dans le même espace, je pique une troisième fois et je fais une maille coulée. Et voilà, là, on a terminé notre rose. Maintenant, deux mailles en l'air. Une et deux. Je vais là entre les deux, ainsi on appelle ça, c'est des groupes. Je viens là entre les deux groupes et je fais une maille coulée. J'ai fait deux mailles en l'air avant, hein? Deux mailles en l'air. Je saute dans le prochain espace des deux mailles en l'air et on refait six brides. Un, deux, trois, 4, 5 et 6. La même chose, j'ouvre ma boucle, j'enlève mon crochet et je viens là dans l'espace des deux mailles en l'air et la bride, je pique, je reprends ma boucle et je la glisse. Comme ça, et je fais trois mailles en l'air. Un, deux et trois. Dans l'espace, ici, je pique comme ça. Je ramène le fil et je fais une maille coulée. Trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Je repique dans le même espace. Je ramène le fil et je fais une maille coulée. 1, 2, 3. Je repique dans le même espace et je fais une maille coulée. Et voilà ma deuxième rose. Deux mailles en l'air maintenant. Une et deux. Je viens là. Dans cet espace et je fais une maille coulée. Deux mailles en l'air et je vais reprendre ici avec les six brides. Là. On va ici dans l'espace des deux mailles en l'air et on fait six brides. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. J'ouvre ma boucle, je viens là entre les deux mailles en l'air et la bride, je glisse mon crochet, je reprends ma boucle et je la glisse. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans cet espace ici, une maille coulée. Et on reprend. 1, 2, 3. Dans le même espace, je ramène le fil. Une maille coulée. 1, 2, 3. Dans le même espace, je pique, je ramène le fil. Une maille coulée. Et voilà notre troisième rose. Deux mailles en l'air maintenant quand on termine la rose et on vient là et on fait une maille coulée. Deux mailles en l'air et on reprend. Dans chaque espace des deux mailles en l'air, on fait une rose. Dans l'autre espace, on fait deux mailles en l'air, une maille coulée, deux mailles en l'air. On va avoir au total 14 fleurs.
J'ai terminé, je suis à la fin, j'ai fait ma dernière maille coulée. On n'oublie pas deux mailles en l'air et on vient fermer là. Je vais rapprocher. On cherche les deux mailles qu'on a fait au début. On pique et on fait une maille coulée. Oups, je refais. Et voilà, une maille en l'air et on coupe notre fil. Je cherche ma paire de ciseaux. Celle-là. Après, on fait rentrer tous les fils. Déjà, on commence par celui-là. Oups. Et on le glisse à l'intérieur. Comme ça, on coupe. Et on fait de même pour les autres. Et on prépare jusqu'à entre 4, 5, 6, tout dépend de le fil, du fil, car le mien est un peu gros. On va essayer quand on avance pour la corbeille. Alors là, j'ai commencé à les placer. Quand on commence, quand on termine notre corbeille, on va essayer et on voit si c'est bon, ça marche. On place nos dessous de verre qui vont former un joli bouquet. Maintenant, on va juste commencer la corbeille. La corbeille. Alors, si vous travaillez avec le même fil, on va garder le même numéro de crochet. Sinon, vous pouvez la faire avec du fil de jute, avec du raffia, du cordon, la petite cordelette, ou bien du coton macramé. On commence. Un cercle magique. On ramène notre fil. 1, 2, et on les compte pas, c'est juste pour commencer notre rang. 14 brides dans le cercle. Une, deux, trois, quatre, jusqu'à faire 14. On compte pas les deux mailles en l'air, il faut avoir 14 brides. 14 brides au total. On ferme notre cercle et on va venir sur la première bride. Alors, on touche pas les deux mailles en l'air, on cherche la maille de la première bride. On glisse notre crochet sous les deux brins et on ferme avec une maille coulée. Et on vient, je refais, on vient de terminer notre premier rang. On serre encore. Voilà. Mon deuxième rang, trois mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là où on a fermé sur la première bride du rang précédent, on rajoute une bride. C'est un rang d'augmentation. On va augmenter dans chaque maille. Sur la suivante, deux brides.
Alors les trois mailles en l'air, on va les compter comme une première bride. On rajoute dans la même maille une deuxième. Sur la suivante, on fait aussi deux brides. À côté, deux brides aussi, jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir 28 brides. Deux brides dans chaque maille. Je suis à la fin de mon deuxième rang. On vient là sur la troisième. 1, 2, 3. Et on ferme avec une maille coulée. Mon troisième rang, trois mailles en l'air, 2 et 3. Dans la même maille, je rajoute une bride. Ça me fait 2 avec les trois mailles en l'air. On va les compter comme une première bride. À côté, sur la suivante, une bride. Et c'est ça ce qu'on va répéter. Deux brides dans le même point, une bride. À côté, on fait deux brides. Une et deux. À côté, une bride. À côté, deux. À côté, une bride. Le résumé de tout ça, c'est de faire une augmentation, une bride individuelle, une augmentation, une bride individuelle, jusqu'à terminer le rang. Je suis vers la fin du troisième rang. On va avoir au total 42 brides. On vient juste là sur la troisième. 1, 2, 3. On pique et on ferme. Une maille en l'air et on va couper notre fil. On va juste faire une deuxième, comme ça, un deuxième cercle. Alors, ça c'est la base de la corbeille. Si vous la voulez plus grande, vous allez juste rajouter un deuxième rang ou vous allez faire, commencer avec trois mailles en l'air, une bride dans la première. À côté, sur les deux mailles qui suivent, vous allez faire deux brides individuelles. Là, on a fait une augmentation, trois mailles en l'air et une bride, plus une bride individuelle. Sur le quatrième rang, vous allez faire une augmentation, plus deux brides individuelles. Je viens de terminer mon deuxième cercle avec trois rangs. Maintenant, on va prendre les deux cercles. Alors ça, celui-là, j'ai pas caché le fil. On va le cacher en travaillant. On va les placer comme ça, envers contre envers. Comme ça. Et je vais venir ici piquer. Si on voit là les trois mailles en l'air, je vais venir ici piquer dans la troisième maille aussi. Alors, je vais tirer comme ça mes fils pour que ça ne me gêne pas. Et je ramène le fil et je fais une maille coulée. Comme si que on fait cette maille coulée pour les attacher. Trois mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, pardon. Alors, il ne faut pas louper la suivante. Elle est là. Sur la suivante, je vais piquer sur le brin arrière. On a deux brins. Vous voyez? Nous, on va prendre seulement le brin arrière. Je vais prendre la deuxième pièce, je vais tourner comme ça et voir ma maille et je prends le brin, pardon, seulement je vais prendre ma maille et je vais prendre seulement le brin arrière.
De toutes les façons, il faut pas vous inquiéter. Vous allez compter à la fin. Il faut avoir les 42 sur le troisième rang. J'ai piqué dans les deux brins arrière des deux pièces. Je ramène le fil et je fais une bride. On est en train de les attacher. Un jeté. On a, je pense que je vais encore rapprocher. On a, elle est là, la maille. On va prendre seulement le brin arrière. Aussi, de celle-là, si on retourne, on la voit. On va prendre seulement le brin arrière, comme ça. On tourne et on fait une bride. On continue sur la suivante, le brin arrière seulement. Et sur celle-là, je tourne pour voir mes mailles. Ok, c'est celle-là. On ne touche pas celle qu'on a déjà travaillée. Hein? Et je continue. Le brin arrière de celle-là et le brin arrière de celle-là. Jusqu'à faire le tour. Je m'assure sauf que je m'assure si je n'ai pas déjà travaillé sur la deuxième pièce, la maille, et j'avance. Le brin arrière et le brin arrière. Et je continue jusqu'à terminer mon rang. Je termine mon rang, alors on va considérer ça comme un premier rang du moment qu'on a uni les deux pièces. On va les compter, on sait qu'au troisième rang, on avait 42 brides. Il faut avoir 42 brides. On compte aussi les trois mailles en l'air comme une première bride. Je viens là sur la troisième et je ferme avec une maille coulée. Et voilà, ça nous donne ça. Mon deuxième rang, alors on va appeler ça le corps de la corbeille. Mon deuxième rang, ça sera la même chose. Des brides individuelles, on reste sur le nombre 42. Alors, on fait trois mailles en l'air, on les compte comme une première bride. Elle est là sur ces trois mailles du rang précédent. Alors, il est 6 h du matin, je commence à juste à pas me réveiller car je me suis réveillée à 5 h 30, je pense. Le café commence à faire son effet. Trois mailles en l'air. À côté, ici, on a la bride. Sur la bride, on fait une bride. Des brides individuelles, de toutes les façons, on va compter. Il faut rester sur les 42 brides. Je continue jusqu'à ce que je termine le deuxième rang. Je ferme sur la troisième et je rajoute un troisième rang de la même manière. Ça veut dire ça, c'est le premier, le deuxième, le troisième. On reste sur les 42 mailles. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure. Tout de suite pour la suite. J'ai terminé mon troisième rang. Alors, 1, 2, 3. Le quatrième, on va faire trois mailles en l'air. Une, deux et trois. À côté, on est là. À côté, sur cette maille. Une bride. Une maille en l'air.
à côté, on saute pas, à côté, une bride. À côté, une deuxième bride. Une maille de séparation et on reprend. À côté, sans sauter de maille. Une bride. Un jeté à côté, une deuxième. On a fait les trois mailles en l'air, on va les compter comme une première bride. 1 et 2. Une maille de séparation. 1 et 2. Une maille de séparation. 1 et 2. Une maille de séparation. Et en bas, je n'ai pas sauté de maille. On continue. Une maille de séparation. À côté, une bride. Et à côté, une deuxième. Je sépare. Une bride. Une deuxième. Et je sépare. Jusqu'à terminer tout le rang. Alors, on va rester sur les 42 brides, si on les compte. Sauf que cette fois-ci, elles sont séparées par une maille en l'air. Je suis à la fin de mon quatrième rang. J'ai terminé les deux dernières brides individuelles. On n'oublie pas de faire la maille de séparation et on vient là sur les trois mailles en l'air. La première venant du haut, on pique et on fait une maille coulée. Et ça nous donne ça. Mon quatrième rang, et c'est le dernier, une maille en l'air. On fait une maille serrée là où on a fermé sur les trois mailles en l'air du rang précédent. Une maille serrée sur la suivante. Attention, cette maille a tendance à être tirée par quand on ferme. On a tendance à la tirer un petit peu. On passe sous les deux brins et on fait une maille serrée. Ça nous fait deux. Là, dans l'espace de la maille en l'air, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Sur la suivante, une maille serrée. Dans l'espace de la maille en l'air, une maille serrée. Et une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer le cinquième rang. Je suis vers la fin du cinquième rang. On n'oublie pas là l'espace de la maille en l'air. Une maille serrée. Et on vient sur la première maille serrée. Et on fait une maille coulée. On va rajouter encore un rang, ce sera des rangs, rien que des mailles coulées. Alors, il ne faut pas vous inquiéter quand vous voyez comme ça votre corbeille, c'est normal, c'est des brides. Après, on va passer un fil ou bien un ruban satiné ou bien une cordelette là où on a laissé la maille en l'air pour fermer tout ça. Alors, on est là. Une maille en l'air et on va piquer sur la suivante et faire une maille coulée. On va juste la marquer pour savoir où on a commencé et on fait dans chaque maille, on fait une maille coulée comme ça. Jusqu'à faire le tour. Une maille coulée dans chaque maille. Ça nous donne ça. Alors, je suis vers la fin. J'ai terminé sur la dernière maille serrée. La dernière, elle est dans l'espace de la maille en l'air. C'est ça, la dernière maille serrée. Celle-là, il ne faut pas toucher celle-là. Celle-là, c'est la maille coulée du rang précédent. D'accord? Il faut aller juste ici
Alors, ce qu'on va faire, je préfère qu'on fasse ça. Je vais couper, tirer sur le fil et on va travailler. On va glisser tout ça ici. Je préfère. Je vais la glisser là, comme ça. Et je vais juste la cacher avec une aiguille. Et je vais la glisser et la cacher. Je vais serrer un peu comme on va la considérer comme une maille coulée. Je la glisse et je la cache. Je vais essayer d'éloigner le bout de fil. Faut pas vous inquiéter. Si vous désirez la faire un peu plus rigide, et encore, ça dérange pas. C'est pas une corbeille qu'on va mettre dedans des produits. Si vous la voulez un peu rigide, vous pouvez la faire avec du fil de jute ou bien du fil macramé. Quelque chose de dur. Et voilà. On va placer maintenant notre petit ruban, notre petite cordelette. Alors, moi j'ai pris du fil de jute. Alors, vous pouvez prendre du ruban, ruban satiné, une petite cordelette, vous pouvez faire une chaînette. On va venir. Alors, on est là. On va glisser là où on a fait la maille en l'air, dans cet espace. Sous deux brides, on laisse deux brides, on passe sous deux brides et on glisse notre fil. J'aime bien le fil de jute pour faire des finitions, pour décorer. Vous pouvez aussi deux fils avec le même coton. Vous pouvez avec du raffia aussi. Et on fait ça jusqu'à arriver au point de départ. On va juste le glisser. Là, là, là. Et on va ressortir là où on a commencé. Après, on arrange nos fils. Voilà, il faut qu'il y ait. Voilà. Comme ça. On va faire un nœud. Après, on va faire un nœud papillon. Alors, je suis pas vraiment douée pour les nœuds papillons, mais on va essayer de le placer, ramener ce fil, glisser l'autre par derrière, et voilà. Et on arrange tout ça, et on a un joli nœud. Voilà, notre corbeille est terminée. On prend nos deux soutes verts comme ça. On les plie comme ça en quatre. Et comme ça, je vais essayer de faire ça. On va essayer de les glisser. Je vous ai dit, moi, ce coton est un peu dur. Et on va les glisser à l'intérieur. Je vais rajouter la quatrième et je vais voir. Voilà, j'ai encore de l'espace. Après, il faut prendre un peu de temps pour arranger tout ça. Faut juste être patiente. Voilà. Je
pense que je vais peut-être les placer comme ça. Pour la première, c'était vraiment facile. Eh oui, ça arrive. Toujours devant la caméra, c'est autre chose. Et voilà. Mais j'ai pas vraiment. Voilà. On a une jolie corbeille avec les dessous de fer. Je vous ai dit, c'est une question de patience. Peut-être que je pourrais rajouter ça au milieu. Et voilà. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser vos dessous de fer, vraiment quelque chose de très joli. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!